Ils font tous des screens. Ils font tous des screens incroyables. Tu crois que tu vas tomber, que tu vas mourir. Je réalise vos idées de vidéo. Oui, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fait un post il y a quelques jours qui vous disait tout simplement que j'allais faire une vidéo dans laquelle je réalisais vos idées. Du coup, m'avait donné des petites idées, on va pouvoir les regarder. Fais-toi passer pour Dream avec le slash nick sur iPixel, c'est une très bonne idée ça. Pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est le slash nick, c'est tout simplement une commande qu'il y a sur des serveurs Minecraft. Donc, surtout quand on est youtubeur, normalement on y a accès. Qui permet simplement de choisir le pseudo qu'on veut. Techniquement, comme le dit cette petite personne, je devrais pouvoir me faire passer pour Dream. Bon, en vrai, pas vraiment parce que Dream c'est un vrai joueur quoi. J'ai pas que le slash nick sur iPixel, j'ai aussi le slash nick sur Erisium, et Erisium, leur slash nick, il est méga bien. Sur Erisium, j'ai donc le grade guest, en gros c'est un grade youtubeur juste qui s'appelle guest. Sur Erisium, on peut mettre le pseudo qu'on veut, sauf des pseudos de joueurs qui sont déjà connectés sur le serveur. En gros là, je me suis appelé E, et donc techniquement, si Dream ne s'est jamais connecté sur Erisium, je devrais pouvoir m'appeler Dream et faire croire que je suis Dream, et ça devrait peut-être passer. Skin de Steve ou skin aléatoire? Skin aléatoire, au pire si c'est pas ce qu'ils s'imaginent, genre avec de la chance, ça a tombé sur le vrai skin de Dream. Oui, alors là, j'avais mal cadré la vidéo pendant quelques minutes. Il y avait quand même un joueur qui s'était demandé pourquoi il y avait quelqu'un avec le pseudo de Dream, qui s'était demandé si c'était un slash ou si c'était le vrai, enfin voilà, c'était quand même assez drôle. Pouf. J'ai gagné, Dream il a gagné. Regardez, là c'est mon profil, enfin du coup c'est mon skin, sauf que j'ai pas ce skin là, qu'en fait c'est le skin que les gens voient. Et pour ceux qui ont pas compris, ça c'est le skin de Dream. Pourquoi il y a une... C'est quoi ça? C'est une montagne? Moi je veux faire un UHC et je me retrouve à faire un Skywars. C'est trop drôle. Oh, il y a une vache. Non, le PP est pas activé, rassurez-moi. Voilà, je prends ça, salut. Maintenant, moi je m'en vais. Adios. Alors, le tu sais quoi que le PP est pas activé? Si, je viens de le dire, hein. Je pense que tu m'as entendu parce que je parle un peu fort. Il y a une cave, j'essaie de pas mourir par contre, hein, parce que genre, vraiment là je suis mal en fait. Hein. Je viens d'échapper à la mort. Hop là. Regardez, Dream c'est un pro en jump. Ah. Oh, du diamant. Dream il X-ray là, hein. Je savais qu'il avait cheaté son speedrun, mais pas à ce point là, hein. Oh, du diamant. Je voudrais me dire, bah quand même, falloir que je réactive mon X-ray parce que là j'en ai un peu marre de rien trouver, mais apparemment c'est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi encore là? Qu'est-ce, pourquoi il y en a autant? Mais pourquoi il y en a autant? En fait, pourquoi j'essaie de les tuer? C'est vrai qu'on est pas en speedrun. En fait, j'en ai pas besoin de leur machin là, de leur blaze rod. Alors, va falloir se faire une épée en vitesse parce que là. Alors, on va se faire une épée sharpness 1. C'est nul parce que j'ai aucun stuff. Moi, j'étais pas prêt. Moi, j'étais là en train de tuer des blazes. C'est vrai que j'avais oublié que sur le coup, que ça servait un peu à rien. J'ai zéro gapple. Regardez-moi ce sneak des sneak de pro que nous fait Dream. Et oh, les copains. S'il peut pas me toucher, tu vois, il a beau être enchanté, il va mourir quoi. Puis, de toute façon, moi aussi, je suis enchanté de te rencontrer. Ah, il y a des gens partout. Alors, ah oh ouais, il était full P2 et tout. Ah ouais, mais il avait, en fait, il avait un stuff normal. Je crois qu'ils ont tous au moins un stuff comme ça. Mais arrête, j'ai pas de stuff. Arrête de m'attaquer comme ça. J'ai aucun stuff. J'ai survécu. Mais lui, il a des gapples. Mais d'où t'as des gapples? Oh, il va dans la lave, parfait, vous avez vu mes coups de lave que je fais. Bon, je vais mourir, je sais pas jouer. Bon, bah, GG. GG, cassoulet. Je descends dans cette cave. Je suis Dream pour passer le temps, je me joue sur Erisium. Toi, j'espère pouvoir te tuer par contre. Hein. Pourquoi j'ai eu un rollback anti-KB là? D'accord, Dream it shit. Musique de speedrun.mp4. Ah, il a un bouclier, il fait peur. T'es au courant que tu vas tomber, que tu vas mourir? Bon, Dream il est en premier. De toute façon, Dream il a l'habitude de se faire target. Hein. De toute façon, toi, dès qu'il va sur un serveur genre iPixel, bah forcément, quand il a 14 millions d'abonnés, il se fait target. Ah, regardez, il y a un qui dit You was the real Dream. C'est-à-dire que c'est un français qui sait pas parler anglais et qui essaie genre de communiquer. Ah, bon, je vais mourir. Bon, quand tu mets un OMG avec 12 000 G, ça veut souvent dire que tu rigoles et que tu sais que c'est un fake. Mais si ça se trouve, il est 100% sérieux. Hein. Si ça se trouve, monsieur CookieCraft là, il est vraiment en mode papa, regarde, il y a Dream, regarde sur le serveur Minecraft. Et vous avez vu, CookieCraft a été tué par son idole, il a été tué par Dream, lui qui est un fan de Dream, ça se trouve, vraiment, il a des posters de Dream dans sa chambre, et du coup, il va être content. Et Dream est toujours premier, non mais regardez comme c'est un pro Dream, quoi, il est toujours premier. Je vais mourir, je suis en vie. Non, arrête avec ton arc, arrête. Yes, yes, Cookie, en vrai, je crois que t'as plus de points de vie. Il a plus de points de vie, j'ai gagné. Traînant, regardez, il est content, il fait OMG, j'ai un screen de Dream. Mais si tu veux ton screen, Cookie, et Cookie, c'est depuis le début, je lui laisse faire des screens. Mais je crois qu'il a oublié sa touche pour faire des screens en fait. Louis, t'es mort, Louis, hein, Dream il te détruit. Je crois qu'ils font tous des screens. Ils font tous des screens incroyables. Mais non, mais les pauvres. Cookie, là, tu fais clic-clic sur mage, mais genre hyper bien, comme ce que t'as appris là dans les vidéos de Dream. Regardez, il est tombé. Pourquoi tu n'as pas ton skin? Oh zut, j'ai pas vu le message, je vais pas pouvoir répondre. Bien, ok, c'est bon, j'ai eu le kill, j'ai gagné. J'ai gagné, GG. Joue au jeu d'iPixel auquel tu n'as jamais joué. Football, je crois que j'ai jamais fait de game. Je crois que football, j'ai déjà lancé une game, mais c'est jamais lancé parce qu'il y avait jamais de joueur. Alors, je crois qu'il faut taper dans des ballons pour mettre des points. J'ai déjà vu des vidéos Technoblade dessus, donc normalement, je suis un pro, c'est comme ça que ça marche. Pouf. Ah non, oulala, clac. Il y a un ballon ici. Là. Hop là. Oh, j'ai fait un bon
coup. Et pouf. Et ouh, le ballon. Et ouh. Et non, non. On est combien dans l'équipe? Je suis sûr qu'on est moins. Ah bah voilà, je me disais bien quoi. Je me disais bien qu'on était un peu moins quoi. Allez, allez, essaie d'arrêter le ballon. Hop là. Ah, et allez. Et oh, oh, non. Allez, on fait la passe. Bon, eh, on est bon. 9-1. Eh, on a mis un point. On est bien. Bon, ce jeu était extrêmement fun et qui cassait bien les oreilles. On va pas tester les autres parce que je pense que si j'ai pas joué, c'était pour une bonne raison. Non, en vrai, je suis sûr que ça peut être intéressant si tu masterises bien ce jeu. Mais bon, voilà. Fais-toi passer pour Technobel parce que t'es un pro PVP player. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir que je fasse passer pour tout le monde là? Oh, je me suis appelé Technobald comme Technoblade, mais version un peu pite. Mais on sait jamais, à la limite je pourrais faire croire que je suis le deuxième compte de Technoblade. Je sais pas, moi c'est l'idée que vous avez proposée. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais on va essayer. Hello, I am Technoblade. Avec de la chance, il y a des gens qui vont y croire. Alors on va prendre une pioche parce que Technoblade il prend des pioches. Je suis sûr qu'il fait ça, Technoblade. Je suis sûr qu'il fait ça. Et... mais non, mais t'es au grand quand même que je suis Technobald. J'ai une pioche. Je suis quand même content quand même que le pseudo Technobald n'ait pas été pris. Enfin, avec un E, je pense que sans E il doit exister vu que c'est Technobald et tout. Alors, on va aller au middle, chercher du stuff. Ah, j'ai même pas protégé mon lit, en fait. Ah ! C'est ma base, ça, en fait. Ah, c'est pas ma base, en fait. Je pense qu'il croit que je l'ai pas vu. Pouf. Ah ! Joue à Minecraft Skyward avec des chaussettes dans les mains, tu dois essayer de gagner. Alors, seul problème, c'est que quand avec des chaussettes sur les mains, bah, je peux pas trop écarter mes doigts. Du coup, pour marcher, je crois que ça va être compliqué. Comme ça. Si j'ai l'air débile, je fais pas exprès, d'accord ? Alors attendez, j'essaie de mettre mes armures là en fait. Du coup ma souris genre elle glisse sur ma main parce que bah, les chaussettes ça glisse. Mais j'arrive même pas à prendre mon épée. Parle qu'en espagnol vu que c'est rigolo. Oui. Hola mi amigos, amar des Ski Wars. Je joue à Minecraft avec des inconnus et je les troll. A tous les coups je vais faire bannir pour cross team ou je sais pas quoi. Je sais même pas sûr, c'est clairement possible. Du coup on va devoir le troller, c'est ça, enfin c'est dommage. Oh j'ai du poison, y'a un méchant. C'est qui le méchant? C'est pas le méchant. Bah du coup j'ai pas pu kill mon coéquipier. Je voulais lui lancer du poison dessus mais bon. Regardez genre je vais faire un pont et je sais pas. Eh, ça a pas marché. Ah regardez, vous êtes pas prêts. Oh non, la lave qui s'est posée toute seule, t'as vu lol. Bah y'a des méchants ça par contre et les méchants j'ai... Boum. Je savais trop que t'étais mon coéquipier, d'accord? Hein, je suis pas débile. Hop là. Regardez, vous avez vu, je suis en train de troller mon coéquipier, genre je l'ai mis dans le feu et tout. Il est mort. Je viens d'avoir un full P4 en un coffre. Je viens d'avoir deux full P4 en un coffre. Je viens d'avoir trois full P4 en un coffre. Fais une vidéo sans montage. Et bien cette prochaine partie n'aura aucun montage. Pour ceux qui savent pas, en fait, je modifie ma voix au montage. Ça fait que sans montage, ça risque d'être un peu bizarre. Parce que du coup, en fait, je dois parler comme ça. Là, je parle normalement. Mais bon, il se trouve que normalement, avec le montage, j'ai une voix un peu plus stylée. Mais bon, du coup, on va quand même essayer de jouer du coup en Skywars Duel. Oh non, je suis tombé dans le vide. Oh zut, parce que normalement, au montage, je coupe ce genre de moment. Parce que d'habitude, je coupe au montage quand j'active mon cheat. Oh non, mettre un connard à 1 minute 7 de la vidéo. C'est parti, parce que le problème c'est que là je pense qu'on est bien après 1 minute 7. Va voir un gars sur Funcraft ou un autre serveur et tu lui dis de lui dire qu'il passe lavé 19 jours. Alors j'ai compris un seul truc, c'est aller sur Funcraft et dire à des gens qui se sont pas lavés. Mais d'accord, on va essayer. Qui peut dire qu'il s'est passé? Jamais de ma vie je me serais dit que j'aurais pu dire ça à quelqu'un quoi. Après faut que je dise, j'ai un truc du genre c'est pour un pote, tu vois, histoire de me dédouaner toute responsabilité. Il y a des gens qui demandent qui MDT, moi je dois voir qui peut dire qu'il s'est pas lavé. Yes, il s'est pas lavé, regardez. Jouer à Minecraft avec ses pieds, alors j'en ai déjà fait dans une vidéo, enfin dans la dernière vidéo quand il y a pas très longtemps, enfin la dernière vidéo je réalisais vos idées de vidéo. Comment je pensais faire par contre? Comment j'avais fait à l'époque? Je me souviens, j'avais même réussi à... J'ai gagné! Demande aux admins d'iPixel pour qu'ils te mettent un faux grade d'admin et tu flexes sur les gens et après tu fais plein de bêtises en créatif en Bed Wars. Donc en gros on veut carrément être OP sur iPixel. Bah, trop, de toute façon ça je sais faire. Hey poteau, tu me mets admin pour le lol. Comment ça je peux pas messager mes amis, c'est mes potes les admins, pourquoi je peux pas? iPixel, iPixel c'est mon poteau, je le connais iPixel, ça marche pas non. Comment ça? Toutes les fois c'est lui qui va aller finir par Multicore est le meilleur youtubeur du monde. C'est pas une bonne idée ça, Multicore est le meilleur youtubeur du monde. Parce qu'après si je fais vraiment ça, Multicore est le meilleur youtubeur du monde, enfin je vais m'embrouiller l'esprit, Multicore est le meilleur youtubeur du monde, puis après ça va faire que cette vidéo va un peu plus ressembler à rien quoi. Multicore est le meilleur youtubeur du monde, donc j'ai pas super envie. Multicore est le meilleur youtubeur du monde. Va sur iPixel, fais une game de Skywars sans armure. C'est quoi? Une bonne idée. Vous savez quoi, il y a des bonnes idées en fait. Vous savez quoi, on va essayer. Là dans l'idée il dit d'en faire une seule, mais moi je vais pas en faire une seule, moi je vais en faire 1 million, tu vois, vraiment juste je vais gagner, genre je vais continuer jusqu'à que je gagne. Regardez, je peux faire comme ça là. Je veux dire, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Je vais me faire one shot par tout le monde en fait, enfin c'est comme ça que ça marche. Non, oh yes, plein de stuff, yes, un protection 4, mais c'est une super bonne idée ça, un plastron protection 4. Ce serait quand même dommage que je puisse pas utiliser d'armure, parce que bon, un plastron protection 4, c'est pas tous les jours qu'on en a, hein, voilà. Il est même pas mort. Allez, meurs, il sait jouer à Minecraft. Il sait pas jouer à Minecraft, en tout cas pas assez pour me tuer. Ah, y'a un méchant. Eh, mais je vais quand même essayer, hein, parce qu'il y a aucun fun si je reste là caché à essayer de survivre.
Oh. Mais dites quand même pas qu'il est mort. Il est mort. Oh, mais en fait, c'est vraiment deux coups, je meurs. Que c'est même un coup et un coup de main sans faire exprès, je meurs. D'où tu viens vers moi comme ça? D'où tu. Je vais clairement pas la gagner. Je pense que celui-là, s'il est dernier, tu vois, c'est quand même vraiment dire qu'il est pas mauvais. J'ai gagné. Bon, on a gagné en faisant 3 kills. C'est pas mal quand même. Joue sur les serveurs les moins joués de Minecraft. 1 à 2 joueurs. Et juste en dessous, il y a un autre truc qui dit va sur des petits serveurs Minecraft. 1 ou 2 joueurs. Genre vraiment, vous êtes tous les deux, vous êtes connectés. Alors, quoi comme serveur qu'a un joueur là dans les serveurs que j'ai? Un joueur. Et Bobo, viens, on fait genre du PVP et tout. Viens, on s'amuse. Comment ça, non? Tu m'entends, Bobo? Mais il fait peur, je lui demande de jouer, mais il me répond. Mais tu peux pas me répondre dans le jeu? T'es quand même pas mon imagination, Bobo. T'es un vrai monsieur, rassure-moi. Il y a des robots! J'ai l'impression d'être sur les serveurs, genre, je sais, genre allemand, là, où les gens, genre, ils font 70 000 CPS, là, comme ça, là, enfin, du coup, plutôt 150 CPS. Non, c'est quoi le but? Regardez, j'ai le grade famous. En plus, on peut se tuer. Ah oui, d'accord, en fait, on peut se tuer avec les bâtons. Merci pour le lit. Hein, qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein, tu peux plus rien faire. Regardez-le comme il est nul. Ah là, tu vas tomber. Allez, tombe là. Prends du KB un petit peu là. Voilà, c'est bien. Hop là, je survis. Alors, du combo contre un bot en hard. Genre, en gros, il va clairement me tuer parce qu'en plus, en combo, moi, je sais plus du tout jouer. C'est-à-dire, même si j'essaie de cliquer vite, je fais genre 9 CPS grand max. J'ai clairement. Il est, regardez, j'ai gagné contre le. J'ai gagné contre le bot. Il continue à me frapper alors qu'il est mort. Bon, bah voilà, on a testé un serveur avec 2 joueurs. Bon, au final, maintenant, il y en a peut-être genre 4. Mais bon, ça reste un serveur avec 1 à 2 joueurs. Je dois cliquer avec quelque chose d'autre que mes doigts et une saucisse. Enfin, je sais pas pourquoi t'as pensé à une saucisse. C'est bizarre comme. Mais d'accord. Je vais cliquer avec quelque chose que j'ai sous la main, c'est-à-dire une boîte de mouchoirs. Regardez, j'arrive à cliquer. J'arrive pas à jouer, c'est injouable. Gagné. Vous avez vu, on a pu gagner. Voilà, maintenant on arrête ce truc. Une vidéo où tu apprends à bien faire de la redstone. On met une plaque de pression, on met de la redstone. Et ça va donc alimenter ce petit piston qui va tout simplement s'ouvrir. Voilà, quand on marche sur la plaque de pression, regardez comme c'est extrêmement fun comme truc. Ça fait rien. Si je fais ça, par contre, ça va être le piston, vous avez vu, qui s'est rétracté. C'était le tuto de multicore, comment faire de la redstone. Un redstone block execute. Egg, -1, slash, say. Je crois que je suis un petit peu égaré du sujet principal. En gros, bah, on peut faire de la neige. Je crois que là, je suis vraiment égaré, hein. Si je le tue, bah, en gros, l'XP fait ça, quoi. Regardez comme c'est hyper stylé, quoi. Regardez ces trucs. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais regardez, ça commence déjà à... Bombardement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne... Avant, on pouvait apercevoir un village. Maintenant, on aperçoit, bah, c'est plus vraiment un village, quoi. OMG, regardez comme je fais des ponts d'une façon extrêmement rapide. Là, tout va bien, tu vois, j'ai pas de vitesse, j'ai pas d'effet, tu vois, je peux sauter, il y a tout ce qui va. Par contre, si jamais je vais ici, et bah, Oh bah dis donc, il y a trop de lumière. Ah bah non, il y a plus. Ouais. Waouh, c'est la fiesta chez Multicore. Carré, trabo, ça n'a que des avantages. Tu deviendras très beau, c'est super d'être beau. Abonne-toi, ça n'a que des avantages. Tu deviendras très beau, c'est super d'être beau. Yeah. C'est super d'être beau, yeah. C'est super d'être beau, yeah.